I'm back with 10 questions for you. Listen to them first to see if you can understand. The topic today is hobbies. Vous êtes prêts? C'est parti! But before listening to those questions, some vocabulary. Faire des randonnées à bicyclette. Faire des randonnées à bicyclette. Faire de la pêche. Faire du jardinage. Faire de la voile. Faire de la peinture. Écoute bien les 10 questions. Question numéro 1. Quel est ton loisir favori? Question numéro 2. Qu'est-ce que tu fais quand tu as du temps libre? Question numéro 3. Combien de temps passes-tu devant la télévision par jour? Question numéro 4. Quel type de film regardes-tu à la télévision? Question numéro 5. Quelle activité en plein air aimes-tu? Question numéro 6. Qu'est-ce que tu préfères, le cinéma ou la télévision? Pourquoi? Question numéro 7. Quels sont tes projets pour le week-end prochain? Question numéro 8. Préfères-tu lire un livre ou lire en ligne? Question numéro 9. Pourrais-tu vivre sans Internet pendant une semaine? Question numéro 10. Décris-moi une émission de télévision. Question numéro 1. Quel est ton loisir favori? Quel est ton loisir favori? And I put préféré because préféré, favori is the same thing. What is your favorite hobby? So you can say something like mon loisir favori est la lecture. My favorite hobby is reading. Question numéro 2. Qu'est-ce que tu fais quand tu as du temps libre? Qu'est-ce que tu fais quand tu as du temps libre? What do you do when you have free time? So you could say something like, normalement, je contacte mes amis. Je me connecte sur Internet. Normally, I contact my friends. I connect on the Internet. Question numéro 3. Combien de temps passes-tu devant la télévision par jour? Combien de temps passes-tu devant la télévision par jour? How long do you spend in front of the TV per day? So you could respond and say something like, je passe beaucoup de temps devant la télévision, environ 3 heures par jour. I spend a lot of time in front of the TV, about 3 hours per day. Environ means about. Question numéro 4. Quel type de film regardes-tu à la télévision? Quel type de film regardes-tu à la télévision? What type of movie do you watch on TV? So you could say something like, je regarde beaucoup de films d'action et quelquefois des films romantiques. I watch many action movies and sometimes romantic movies.
Question numéro 5. Quelle activité en plein air aimes-tu? Quelle activité en plein air aimes-tu? Which outdoor activity do you like? So you could say something like, j'aime faire des pique-niques avec mes amis. J'aime faire des randonnées dans la campagne. I like picnics with my friends, or I like to hike in the country. Question numéro 6. Qu'est-ce que tu préfères, le cinéma ou la télévision? Pourquoi? Qu'est-ce que tu préfères, le cinéma ou la télévision? Pourquoi? What do you prefer, the movie or TV? Why? So you could say something like, je préfère le cinéma parce que l'écran est plus grand et j'aime bien l'ambiance. I prefer the movie because the screen is bigger and I like the ambiance or the atmosphere. Question numéro 7. Quels sont tes projets pour le week-end prochain? Quels sont tes projets pour le week-end prochain? What are your plans for next weekend? So you could say, le week-end prochain, je compte aller voir mes amis. Je compte means I intend. Nous irons peut-être au restaurant. Peut-être means maybe, so we will go maybe to the restaurant. So that means maybe we will go to the restaurant. Question numéro 8. Préfères-tu lire un livre ou lire en ligne? Préfères-tu lire un livre ou lire en ligne? Pourquoi? So here I have two responses. So the first one is, je préfère lire un livre parce que je peux écrire sur les pages et je peux le garder avec moi n'importe où. I prefer to read with a book because I can write on the pages and I can keep it with me anywhere. N'importe où means anywhere. The next possibility is, je préfère lire en ligne parce que je lis sur mon portable. C'est plus pratique. I prefer to read online because I read on my mobile. It's more practical. Question numéro 9. Pourrais-tu vivre sans Internet pendant une semaine? Pourrais-tu vivre sans Internet pendant une semaine? So you could say, oui, je pourrais vivre sans Internet pendant une semaine. Ou non, ce serait trop difficile pour moi. Question numéro 10. Décris-moi une émission de télévision. Décris-moi une émission de télévision. Describe a TV program to me. So you could say something like, Family Feud est un jeu avec deux équipes. So Family Feud is a game with two teams. Il faut deviner des mots. You have to guess words. Et l'équipe qui a le plus de points gagne. And the team who has the most points wins. So I'm just going to say the sentences without stopping. Family Feud est un jeu avec deux équipes. Il faut deviner des mots et l'équipe qui a le plus de points gagne.
We've come to the end of this video. Did you enjoy the questions? Did you manage to answer them? I hope you did. And I also hope that you enjoyed the video. And if you did, please like it and share it. And don't forget to subscribe and click on the bell and all so that you receive all notifications. Until then, au revoir.